chez vous. Éric, on ne voit pas. Ça arrive. On attend qu'ils vont arriver, mais bon, après. Il y a un groupe qui arrive. Il y a un groupe qui arrive, on les attend. 6h30. Mais tout va bien. Là, là où est ta place? Bah écoute, Laetitia, allez, venez là. Venez les. Donc j'y pipi. Ouais. Il pipi. Ouais. Il pipi. Ouais. Attique, 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 attique. Aïe. Attique. 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 Ouais. Pipi. Ouais. Pipi. Ouais. Dijon et ce qui m'a été rapporté de Belfort, c'était la même chose, une belle ambiance, un esprit d'équipe, et moi je voudrais que cet esprit d'équipe, cet esprit d'entraide, on encourage le pote, même s'il n'est pas de sa section, cet esprit d'équipe et d'encouragement perdure maintenant qu'on arrive dans les compétitions individuelles, hein, puisqu'on va rentrer dans ce cycle individuel pour aller pour certains jusqu'au Championnat de France. Donc je voudrais vraiment conserver cet élan-là, cet esprit vainqueur, et vous voyez que nous, les bouseux, parce que c'est comme ça qu'on nous appelle dans certains clubs. Nous, les bouseux, ben, dimanche à Belfort, on était des bouseux, mais des bons bouseux. Et les autres ont été moins forts que nous. On les a respectés. Et c'est vrai qu'on les a battus à la régulière. Parce que le club de Nancy peut se targuer d'avoir perdu le bâton de relais. Ce qui est vrai, ce qui nous est déjà arrivé. Mais le club de Nancy a eu également énormément de chance. Parce que la coureuse de 400 mètres haies, qui pousse la haie avec les deux mains, aurait dû être disqualifiée. Donc, ils ont été très chanceux. Et je vais vous raconter une petite anecdote, puisque on a quand même quelques entrées dans les équipes nancéennes. Et l'anecdote est la suivante, c'est que d'une part, le coach nancéen, devant ses athlètes, a dit de toute façon, on a notre place. Donc c'est quand même une reconnaissance du fait que Athlé-Vosges, à deux reprises, a dominé le club de Nancy, qui a quand même, il faut le dire, des moyens financiers autrement plus grands que les nôtres. Hein, faut le savoir aussi. Il faut savoir aussi qu'en National 1 l'an prochain, ça ne sera pas facile, mais chacun va bosser, chacun va s'arranger pour gagner 10, 15 ou 20 points par rapport à sa perte de cette année. Et on multiplie ça par 70 athlètes, et on arrive vite aux 2000 points qu'il va falloir gratter l'an prochain pour pouvoir maintenir ce niveau.